te plaît. Please. Tu n'es pas là pour arracher les miettes. You're not here to seize. Tu es là pour partager l'abondance. You're here to share abundance. Tu n'es pas là pour arracher les miettes. You're not here to seize. Et compter ta prospérité, elle ne doit pas être comptée. And count your prosperity. Elle doit être énorme parce que toi-même tu es la prospérité. It should be so great because you yourself your prosperity. Cette loi de la prospérité pour que Dieu note que tu étais à l'église dimanche. You're not coming here to church so that God can note you that oh yeah this Sunday you were present. Ça veut dire que tu es spirituel. It means you're spiritual. Tu étais à l'église vendredi. Oh, you were here on Friday. Tu as prié jusqu'à tomber. And you prayed until ça veut you fell. Que tu es spirituel. It means you're spiritual. Non. No. Non. No. Tu viens à l'église. You're coming to parce church. Parce que nous voulons avoir la force. Because we want to have strength. Tous ensemble. All together. Et la clarté de notre mission. And clarity of our mission. Et quand tu entres dans un bureau. And when you get into an tu office. Tu sais pourquoi tu es là. You know why you're there. Tu n'es pas là d'abord pour avoir l'argent. You're not there first of all to get money. Tu es là d'abord pour transformer ce lieu. You're there first of all to bring transformation. Commençant to that par place. Toi. Starting by tu n'es pas là pour leur ressembler. You're not there to resemble. Tu es là pour être différent. You're there to be different. Ils ne payent pas les gens, tu payes. They don't pay people, you pay ils ne people. Signent pas les dossiers, tu signes. They don't sign documents, you sign ils documents. Gardent les dossiers dans le tiroir, tu donnes. They keep documents in tu appelles les gens, viens chercher tes dossiers. And ce sera signé à 15h. It's going to be signed at 3 p.m. Tu es en train de faire quoi? What are you doing? Chercher le règne de Dieu. You're seeking the kingdom dans of God. Ton pays. In your country. C'est le ciel qui va envahir la terre. That's heaven. Tu ne filling vas up the earth. You're going nowhere. Et si tu meurs, and if you die, nous continuons le service. We'll continue the service. Nous allons transformer. We are going to transform. Frère, brother, tu n'es pas là pour que j'écrive ton nom dans le livre le jour que tu meurs, tu pars au ciel. You're not there for me to write your name in a book so that the day you die you go to heaven. Non. No. Tu es là. You're there. Pour you're que here. Je t'équipe. So that I keep you. Que nous nous équipions. And so that we can equip ourselves. Et nous transformons le monde. And transform the world. Et la justice s'installe. And righteousness will be il installed. Il faut qu'une génération de nos enfants soit différent. The generation of our kids qu'ils has to be vivent different. Dans un pays différent. We need to live in a different parce country. Parce que toi et moi. Because you and I. Nous avons été intentionnels. We've been intentional. Cessons d'aller au ciel. Let's stop wanting to go to heaven. Transformons la terre. And let's transform the earth. Seigneur, je veux seulement aller au ciel. Je veux Lord, seulement I only want ciel. To go to heaven. Et si tu meurs maintenant, alors and Dieu t'a you, exaucé. And if you die now, it means God has answered you. On a dit qu'une sœur priait et elle est morte. They said one sister prayed and she died. Et on a dit au pasteur que pasteur. And he said, pastor, c'est quoi ça? What is this? Comment une sœur peut être à genoux pour prier? How can a sister be kneeling down et and praying? Elle est morte. And then she dies. Et le pasteur était très inspiré. And the pastor was very inspired. Il a dit ça dépend de ce qu'elle priait. And he said it depends on what she was praying. Et dit comment ça, pasteur? And he said, but pastor, how come? Peut-être disait que Seigneur. Maybe she was saying. J'en ai marre. Lord, I'm tired. Prends-moi. Take me. Prends-moi. Take me. Qui a déjà prié comme ça? Who has prayed like that before? Bon, si maintenant il t'exauce. Now if he answers you. On vient regarder que tu, on vient voir que tu es mort, non? And they come and see you dead. On accuse Dieu alors qu'il t'a seulement exaucé. And they would accuse God. Meanwhile, he just answered you. Cesse de dire que prends-moi. Stop telling God. Dis, take me. Dis équipe-moi. Tell him equip dis avec me. Moi équipe moi. Say it with me equip dis me. Dis à ton voisin cesse de dire Seigneur prends-moi. Tell your neighbor stop telling God take me. Et dis Seigneur équipe moi. Instead say God équipe moi pour me. Transformer. Equip me to transform. Tu as inauguré la route nouvelle et vivante. You've inaugurated a new and living road. S'il te plaît. Please. Tu n'es pas là pour arracher les miettes. You're not here to seize crops. Tu es là pour partager l'abondance. You're here to share abundance. Tu n'es pas là pour arracher les miettes. You're not here to seize crops. Et compter ta prospérité, elle ne doit pas être comptée. And count your prosperity. Elle doit être énorme parce que toi-même tu es la prospérité. It should be so great because you yourself your prosperity. Cette loi de la prospérité, ça c'est des foutaises. Seven laws of prosperity, that's nonsense. Tu dois vivre dans la prospérité. You should live in prosperity. Parce que la route est ouverte. Because the road is now open. Et la prospérité c'est Dieu. And prosperity is God. La prospérité c'est Christ. Prosperity is Christ.